Bonjour, c'est Étienne Lemay, en tant que relationniste pour la municipalité de Saint-Paulin. J'ai fait une petite compilation d'interviews que, dans le fond, j'ai interviewé des gens par rapport à des pratiques au développement durable et de la réutilisation, de la récupération. On va commencer avec Mme Lucienne Elliott qui nous parle de comment ça se passait quand elle était jeune. Non. Fait que c'est qu'est-ce que vous faisiez pour garder votre nourriture? On mettait ça dans un puits. OK. Avec une chaudière, là, dans l'eau froide. OK. Fait que dans le fond, c'est comme ça que vous préserviez votre Oh, nourriture. oui, c'est ça. Fait que vous mettiez votre viande, vos légumes Le là-dedans. beurre, la viande. OK. Dans ce temps-là, les grenepins, c'était le bois. OK. Fait qu'on un stand, c'était un bon endroit pour ça. Bon, avec ça, la drape. On voyait descendre le bois, là, dans le chaussée. Puis... OK, fait que dans la rivière du Loup, il y a eu beaucoup de draves. Et? Dans la rivière du Loup, il y a eu beaucoup de draves. Ah, ben oui, dans le temps, ça partait de Saint-Alexis, ça descendait, ça passait au poste, là. OK. Le monde, on s'en allait tout voir passer debout. Il y avait nos parents-cousins dans le temps. OK. Vous savez, Fait on que. était élevés pauvrement, mais on était tous pareils, comme je vous disais. Puis, vous savez, on ne souffrait pas. De nourriture, de la chaleur. Oh oui, par exemple, mes parents faisaient un grand jardin. Oh mon Dieu, moi, quand j'allais à l'école, la plus vieille, elle, dans le sang-là, c'était elle qui faisait l'élevage des couches, autrement dit. Et puis moi, c'était le jardin. OK, fait que vous désherbiez. Oh, on se déshabillait, là, puis des fois, quelqu'un me cherchait pour jouer à la corde dans le temps. Là. Je pleurais, je n'étais pas vieille. Fait que le bon moment disait, elle n'a pas le temps. Faut que je monte. Qu'est-ce qu'elle arrache dans le jardin? Pour ne pas arracher, vous savez, c'est des bonnes affaires. J'aimerais ça jouer avec les autres. Mais le moment disait, le moment pas le temps aujourd'hui. Dans le temps, il faisait le pain. Les vaches, j'étais à laveuse. Moi, Oui. ils faisaient leur savon, ils ne savaient rien. Il Ils faisaient leur savon? ramassait le gras, là, quand tu faisais à manger, là. OK. Puis ils faisaient leur savon. Nous autres, quand on était jeunes, on avait des poules. On avait des vaches. Mes parents, ils faisaient ça. On avait des cochons. Moi, le matin, là, avant d'aller à l'école, là, je venais la vache dans la roubine, dans le salon. Ils appelaient ça, excuse-moi, dans où se le bergeron, vous savez. Bon, pas d'être. Mais il y avait des maisons, là, c'était assez loin. Comme moi, j'arrivais à l'école, puis mon maman disait, des fois, tu vas découdre des... Des quoi? Tu vas découdre du linge. Oh! Là, elle disait, je vais vous faire, avec ça, là, je vais vous faire... Je vais vous faire des pantalons, tu sais, je vais... Il ne sert rien. On marchait nu-pied. Ah ouais? Ben, pour ménager nos souliers. Ah. Mais dans le fond, c'était vos parents aussi qui répariaient vos souliers. Ben là, je ne peux pas vous dire, mais quand tu étais capable, oui. L'automne faisait boucherie. Il y avait une place qui faisait boucherie. Il mettait la viande dans le brindis, comme ça. Puis dans l'Est, ils faisaient leur glace. OK. Ensuite, on va faire la même démarche pour Mme Hélène Picotte, qui va nous parler de quelques pratiques qui se passaient quand elle était jeune. C'est quoi les seules choses que vous aviez besoin d'acheter, mettons? Mettons, de façon... sans le produire vous-même, mettons. Mais c'était surtout le lait, les produits qu'on n'a pas normalement, là, tu sais. Qu'on avait... Ben, c'est les légumes, je faisais un jardin, fait que c'est... j'avais moins besoin d'acheter. Les vêtements, ben je cousais, je récupérais dans du vieux pour faire du nœud. Puis, Fait que ça finissait que vous n'achetiez beaucoup moins que la plupart ne n'achètent aujourd'hui. Ben oui, on achetait beaucoup moins parce que de toute façon, avec 11 enfants, là, j'avais pas les moyens d'acheter ça non plus. Là. C'est comme les enfants, moi j'ai jamais acheté une couche, j'ai toujours pris des couches jetables. Des couches lavables, tu sais, là, fait que c'est sûr que ça faisait moins de déchets au final. Ça faisait moins de déchets, mais j'avais pas d'eau chaude, fait que, veux pas,
Je l'aménageais à l'eau. Oh, quand vous étiez jeune, ça devait être un caveau? Oui, oui. C'était, okay. C'était le caveau en dessous de la maison. OK. OK, puis c'était comme ça que vous conserviez... Oui, puis qu'on conservait les carottes, puis même les pommes, ils achetaient ça au corps. Puis, Eux autres, quand on était jeune, ils tuaient le bête, puis ils la conservaient dans de l'avoine. OK. Ils mettaient ça dans des boîtes, puis ils mettaient ça dans de l'avoine, dans les hangars. Là. OK, pour les isoler, dans le fond. Les isoler, puis les protéger de la vermine aussi. Ça conservait dans ça, puis dans le puits. OK. OK, il y avait gros d'affaires qui étaient conservées dans le puits. Oui, le beurre, puis la viande, mettons, de la journée, là, tu sais, là. Il y a descendant dans ça, il y a de la puits, là. C'était froid. Ah oh, non, ça, l'eau était ça devait être froid comme un frigidaire, à peu près. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, vous répariez tout le temps les vêtements. Ouais, on les usait le plus, pareil, tu sais, là. J'ai commencé à arrêter de rire quand ils ont eu un peu plus d'argent, là. On a commencé à m'acheter un peu, là, tu sais. Mais les enfants, je faisais les petits enfants, je faisais le pyjama. Puis quand les vêtements étaient rendus irréparables, c'est qu'est-ce que vous faisiez avec? On les taillait. Pour faire des catalognes. OK. Des guenilles aussi, des guenilles, oui, c'est ça. Tous les morceaux, je taillais même des petits collants, là, on gaspillait rien là, dans les guenilles. Tout ce qui se taillait, on taillait pour... Fait des guenilles, des laises. J'en ai fait, tu peux m'envoyer. On était toujours comme en grande d'eau. Tu sais, là, t'allais chercher du chaudier d'eau, c'est pas long, hein, de penser du chaudier d'eau pour faire à manger, puis tout ça, là, tu sais. Puis pour laver le linge. Pour laver le linge, si t'allais laver à la main, c'est sûr que ça t'en prend moins, tu sais, là. C'est sûr. Mais, tu sais. En dernier, mais là, il y avait une pompe. Il y avait une pompe qui amenait l'eau à la maison. Là, OK, mais tu sais, c'était en. C'était encore loin d'être un système d'aqueduc. Ah oui, 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 c'était la pompe. Là, Les morceaux de linge, ils devaient se transmettre d'enfant en enfant. Oui, ils se transmettaient d'enfant en enfant. Puis moi, je faisais mes robes, je faisais mes... Tu sais, j'étais toujours enceinte, je faisais mes trois corps, puis mes jupes moi-même. Là, j'achetais pas grand-chose. La plupart, c'était des morceaux de tissu rapiécé. Oui, c'est ça. Puis j'avais... T'as chanceux parce que j'avais un beau-frère qui travaillait à textile. Fait qu'il me sortait des coupons, tu sais. OK, ouais. Fait que c'est ça, qu'on a de la récupération, par exemple. Fait que je sais qu'on considère aujourd'hui les contenants puis tout ça devait servir à d'autres choses aussi. Ben, tu sais, les contenants, ils canaient le viande, ben, ils canaient pour l'hiver, là, souvent, ils en canaient de la viande. Mais ils l'utilisaient, il y avait une machine pour... Receller? Pour faire le bord après le chaud, pour pouvoir faire un autre... Dans le fond, il réutilisait le canne. Ça, je me rappelle, il y avait une canneuse. Une canneuse, ça l'enlève, ça fait comme le bord. Puis après, il posait comme un couvert par-dessus. C'était comme recellé, tu sais. OK. Fait qu'il utilisait plusieurs fois le même contenant. Ben, au moins deux fois, certains, tu sais. Finalement, c'est le tour à Diane Gascon. Elle va nous parler de certaines pratiques de développement durable qu'elle met en place et aussi certains points de dépôt pour certains matériaux qui vont être utilisés plus tard. Vous, est-ce que vous avez toujours eu des pratiques de ce genre-là au cours de votre vie en termes de recyclage et de réutilisation? Oui. Dès que mes enfants ont commencé l'école, déjà à l'école, ils ramassaient les goupilles de canettes, les attaches à pain. Et ma mère réutilisait les pantalons de mon père pour en faire des pantalons aux garçons. Oui, ça a toujours été comme ça. Oui, sûrement, parce que je ramasse encore les goupilles de canettes. Ça va aider quelqu'un, les attaches de plastique, les sacs à lait, ça, je les taille, on tisse avec ça. Oui, je suis une fervente de la récupération. Aussitôt que ça peut aider quelqu'un d'autre, même si je le connais pas, c'est pas grave, je le ramasse. Dans le fond, vous faites une grosse partie de la job de tri, on va dire. J'imagine. Vous envoyez ça ou qui en ont besoin au final? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils font avec les goupilles? Qu'est-ce qu'ils font avec... les goupilles et puis les attaches de plastique, j'envoie ça pour
Ils vont, je ne sais pas si j'envoie ça à quelqu'un, quelqu'un l'envoie. En tout cas, ils font une partie des chaises roulantes avec ça. Donc, ça va être utile à quelqu'un.